Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Eh bien, vous le voyez, nous sommes devant le bistrot du Gabu, le lieu incontournable de La Rochelle, en face des bateaux, quai Georges Simenon. Et j'avais à mes côtés, bien sûr, monsieur le directeur du bistrot du Gabu. Bonjour, Benjamin. Qui est Sébastien. Sébastien, oui, bonjour à vous. Alors Sébastien, il y a des nouveautés. Vous, non seulement le bistrot, on vous connaît à travers le bistrot du Gabu et ses animations et son café et ses bars, son bar au tapas, etc. Mais là, aujourd'hui, il y a plein de nouveautés. Mais oui, depuis le 27 janvier de cette année, on a récupéré l'entreprise d'à côté qu'on a rachetée. Et donc on a une terrasse de 150 places assises maintenant. Et on fait à manger 7 jours sur 7 de 11h jusqu'à 23h en côté bistrot. Et on a fait une boutique souvenir parce qu'on a quand même un service traiteur avec, on sert les capes à l'ouest, on sert les plateaux repas, enfin les paniers repas sur les vélos qui sont loués par les touristes. Et on a décidé de faire une boutique. Avec que des produits de l'île dorée, des algues, de la salicorne, du rhum de l'île dorée, du vin, voilà. On va essayer de découvrir cette boutique parce qu'en plus de ça, on va découvrir aussi Marie qui s'occupe de cette boutique. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie, alors c'est vous qui êtes chargée de faire découvrir aux clients cette jolie boutique. Jolie boutique et surtout des trucs de qualité, c'est super. Alors, produits de qualité, c'est un choix aussi par rapport Oui, c'est un choix parce que on s'est rendu compte que, par exemple, comme les gens qui louent des vélos vont à l'île Dorée, mais comme ils sont en vélo, ils n'achètent pas les produits sur l'île Dorée. Donc, en fait, moi, j'ai été rencontrer les fournisseurs de l'île Dorée. Ils m'ont déjà fait découvrir ce qu'ils faisaient, en fait. Hein. Et puis, du coup, j'ai dit, OK, on marche là-dessus et on fait. Donc, on fait aussi des produits de La Rochelle. Hein. On travaille aussi avec le comptoir charentais, la maison Bastard. On travaille la trouspinette, on travaille le rhum de l'île Dorée, on travaille les algues, on travaille la salicorne, on travaille les liqueurs de cognac, on travaille avec, parce que en fait, comme j'avais la brasserie avant et qu'on l'a vendue à une entreprise qui s'appelle Big Fernand avec Cognac Only, et bien du coup j'ai récupéré le Cognac Only hein, pour les gens qui sont de La Rochelle. Ils pourront le trouver dans la boutique du Gabu, enfin du bistrot du Gabu. Voilà, on fait le sel de la Couarde, hein, le sel de la Couarde avec les sels de bain et des sels aromatisés pour les voilà. Alors sel de bain, bien sûr, ça m'intéresse. Quel plaisir. C'est la fleur de sel, ouais. Incroyable. Voilà. Ça c'est des petits clins d'œil et puis. On travaille aussi avec la boulangerie qui est sur le quai Valin, qui nous fournit en pain et en croissant. Et on fait aussi le rété, son petit gâteau là. Voilà, il est arrivé ce matin, il n'y en a plus que deux déjà. Donc voilà, ça marche bien. Ouais, ouais. Mais on est content. Eh bien écoutez, belle initiative Sébastien. Ouais, c'est pour faire partager à nos clients. Comme on a 150 places de terrasse, ils ont 10% de remise à chaque fois qu'ils ont un ticket qui vient au bistrot. En fait, c'est pour faire tourner la boutique, en fait, voilà. Et après cet hiver, on démonte tout. Au 15 septembre, on démonte tout. Et au 1er octobre, on se transforme en restaurant, comme on avait prévu, 70 places de restaurant pour l'hiver, en plus du bistrot, voilà. Eh bien, ma foi, on vous attend tous, hein, tous nombreux au bistrot du Gabu. Et puis, un parfait accueil avec Marie. Oh, c'est gentil, merci. À bientôt et à très, très vite. Venez profiter. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci. Merci, au revoir.